Mon cher ami, bonjour. Au micro, Jacques Roger. Après la décision du président Alassane Draman Ouattara de ne pas se présenter à une nouvelle élection en Côte d'Ivoire, conformément à la Constitution, le leader Soro Guillaume s'est donc prononcé. Monsieur Soro Guillaume et une bonne partie de la population ivoirienne rentrent dans le débat. La décision de M. Alassane Draman Ouattara ne pas se présenter est une très bonne chose. Mais là où le débat commence à devenir pertinent, quand le chef d'État décide d'entreprendre une réforme de la Constitution qui doit normalement accompagner son départ, il y a matière à engager donc un débat. Écoutons le face-à-face, Soro Kibafori Guillaume et Alassane Draman Ouattara. Mes chers compatriotes, en décidant de réunir le Parlement en congrès, le président de la Côte d'Ivoire a posé le premier acte, incontestablement biaisé, d'une réforme de notre Constitution. Je salue, une fois n'est pas coutume, la décision de se conformer enfin aux dispositions de notre loi fondamentale qui lui interdisent formellement de briguer un troisième mandat. On l'aura compris, cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale, à obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre Constitution pour asseoir le règne d'un clan ad vitam aeternam. La malice politique qui vise à capitaliser cette non-candidature ne doit pas faire diversion. Renoncer à violer la Constitution, excuser du peu, est la moindre des choses. Cela n'en rend pas moins condamnable le dessein présidentiel totalement assumé de transférer le pouvoir à un successeur choisi. Appelons les choses par leur nom. C'est le scénario d'une véritable forfaiture qui se met en place. Le pouvoir appartient au peuple. C'est indéniable. Ce n'est ni un héritage, ni un legs. Il ne se transfère pas. C'est au seul peuple de Côte d'Ivoire d'élire le président de la République. C'est son droit inaliénable. Le schéma qui se met en place aujourd'hui est celui d'un projet de dévolution successorale du pouvoir suprême par le biais d'une manœuvre constitutionnelle. Ainsi, ce régime ne se contente pas de museler ses opposants, d'emprisonner des députés sans la levée de leur immunité parlementaire, ni de mettre la justice à sa botte. Il manipule notre loi fondamentale, 3 ans seulement après son adoption par référendum, en la triturant au nom de petits calculs électoralistes. Le déni de démocratie est patent, car, à double titre, cette réforme est inacceptable. La méthode d'abord. Réformer la Constitution, c'est prendre la décision d'une entreprise structurante qui ne peut se concevoir et s'exécuter sans y associer l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation. Pour ma part, j'estime qu'un pouvoir loyal et responsable ne peut prétendre engager un tel chantier sans privilégier une procédure référendaire seule à même de susciter une large adhésion et lui conférer une réelle légitimité. La Constitution appartient à tous les citoyens. Ici, c'est un homme seul qui, de façon autoritaire et sans la moindre concertation, décide de la soumettre à son bon vouloir. Le temps, ensuite. À cette démarche singulière, s'ajoute une gestion du temps parfaitement inique. Ainsi, en Côte d'Ivoire, on réforme la Constitution moins de 7 mois avant une élection présidentielle. On y change unilatéralement les règles du jeu. À si courte distance d'une telle échéance,
alors que la pré-campagne a débuté et que des candidats se sont déjà déclarés. Le protocole de la CEDEAO relative à la démocratie interdit, nous le savons, de tels tripatouillages. Manifestement, le pouvoir d'Abidjan n'en a cure. Le régime de M. Alassane Ouattara nous donne chaque jour l'exemple consternant de ce qu'il ne faudrait plus faire. Le règne de l'arbitraire, des institutions méprisées, le goût obsessionnel du pouvoir qui réduit le peuple à l'état de témoin passif de son destin. L'enjeu aujourd'hui est de consolider notre démocratie et de renforcer nos institutions. Un pouvoir légitime ne doit pas passer par-dessus ses concitoyens. Il doit les mettre en situation de s'exprimer. Aucun progrès, aucune dynamique n'est possible dans un pays où le pluralisme est réduit à néant. En agissant de la sorte, la présidence, une fois de plus, contourne les Ivoiriennes et les Ivoiriens et confirme que pour conserver son précaré, elle ne reculera devant rien. Ce faisant, elle prend le risque inconsidéré de diviser encore un peu plus notre société, d'alimenter un climat de tension comme celui que notre pays a malheureusement connu il y a 10 ans. Ce souvenir funeste devrait conduire à la mesure, à l'esprit de rassemblement et de réconciliation, ainsi qu'au respect de nos règles communes. J'en appelle à l'alliance de toutes les forces démocratiques de Côte d'Ivoire. Au-delà, c'est à tout le peuple de Côte d'Ivoire que je fais appel. L'heure est à l'union sacrée face au péril qui menace nos libertés et notre nation. À l'aube d'un rendez-vous qui est celui du peuple, je veux vous livrer quelques convictions intangibles à mes yeux et nullement négociables. Notre vie démocratique appelle des actes forts et le respect absolu des valeurs. Notre vie démocratique implique une élection présidentielle authentiquement inclusive et transparente. Notre vie démocratique exige la création d'une nouvelle commission électorale indépendante, puisque l'actuelle est stipendiée, partiale et sclérosée. Et j'ajouterai ceci, notre vie démocratique doit pouvoir mobiliser tous les citoyens à égalité. Si je me suis engagé à la gratuité de la carte d'identité pour tous, c'est parce qu'une nation doit traiter ses enfants sans discrimination ni exclusion, leur reconnaître les mêmes droits, leur permettre d'accéder aux mêmes références et aux mêmes symboles. Je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Vous le savez déjà. Et avec vous, je la gagnerai. C'est manifeste. Je ne le suis pas pour moi-même. Je suis candidat pour que demain, le peuple accède au pouvoir. Ensemble, si vous le voulez le décider, je vous le promets, nous ferons de la Côte d'Ivoire une démocratie que d'autres pays, en Afrique et dans le monde, citeront en exemple. Dieu bénisse notre nation, Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie. Je suis fier de toutes ces belles performances. Oui, je suis fier de toutes ces belles performances que nous avons accomplies ensemble tout au long de ces 9 dernières années. Ces résultats sont conformes aux engagements que j'avais pris devant mes compatriotes au moment où je briguais la magistrature suprême. Comme vous le savez, tout au long de ma carrière et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption
de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du peuple. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui, cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens, honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés, comme nous l'avons fait, aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays.